Voulais faire une série sur ce qu'on appelle les légendes urbaines, c'est les, les, les anecdotes que tu entends de la bouche de plusieurs personnes qui jurent que c'est à eux que c'est arrivé. Euh, et c'est comme ça que j'ai écrit un, un des épisodes, qui est l'épisode où la fille séduit quelqu'un et se retrouve avec une subite envie d'aller aux toilettes. J'en dirai pas plus. Euh, et en fait, progressivement, je me suis. Euh, parce que je trouve que c'est marrant ce truc de légende urbaine où on sait jamais si ça a vraiment existé ou pas. Euh, et après, en fait, je me suis rendu compte qu'à l'échelle de bah, notre groupe de potes, <laughs> on avait fait assez de choses complètement débiles euh, pour. <laughs> en fait, que ça suffisait, qu'on avait, qu avait nos propres légendes urbaines, qu'au celle-là, j'étais sûr étaient véridiques que je pourrais y projeter et un ancrage géographique et des ancrages de personnalité et du coup je me suis dit que écoute nos, nos débilités étaient largement suffisantes pour écrire une série <laughs> Viens voir de ce viens voir. Eh lui, laisse tomber. Eh, je les connais toutes ces histoires, les vraies, les fausses. Mon euh, ami que je t'ai jamais raconté. Eh, je veux tout savoir, et en J'ai pas fait, j'ai pas calculé le ratio exact, mais je pense qu'en ratio exact, on doit être à 90 de vrai. Euh, après, des fois, par exemple, ça va être euh, plusieurs histoires vraies ou plus. Par exemple, pour l'épisode de l'hôpital, c'est différentes choses qui sont arrivées à différentes personnes que je connais et que j'ai euh, agglomérées j'ai aggloméré dans l'épisode. Mais euh, globalement, oui, il y a beaucoup de vrais. Il y a beaucoup de vrais. Ouais. Allez! c'est bon, je, Après, je vais pas garder ça pour moi lui-même. J'ai déjà parlé de son daron, moi qui me déteste. C'est pas fini! On est tombé en panne! A titre personnel, c'est vrai que c'est aussi lié euh, bah, à mon enfance, aux environnements que j'ai connus. C'est qu'il y a quand même beaucoup d'ennuis, j'ai l'impression, entre 16 et 22 ans, particulièrement dans les zones euh, semi-urbaines ou semi-rurales, notamment la banlieue, bah, parce qu'on a peu de transports en commun, peu d'activités à portée de main, du moins moins que les parisiens, et du coup, il faut qu'on meuble le temps. Et, et c'est vrai que je trouve que. Bah que ça raconte beaucoup de la manière dont on voyage via l'imaginaire des autres là, la manière qu'on a de se filer les anecdotes de faire des conneries pour pouvoir se les raconter un peu à l'infini ensuite quoi. Et, que, et que souvent ça raconte aussi de quelque chose de, du narrateur la manière les choix qu'il va faire euh, ce qu'il va choisir de dire de ne pas dire d'occulter euh, et je suis un passionné du storytelling enfin je trouve ça pour moi hors euh, tu vois quel que soit ta je sais pas ton degré de quoi que ce soit. On te met autour d'une table, si tu une bonne anecdote, tu peux choper l'écoute. Je trouve que ça transcende les, les, voilà, les, les clivages sociaux, euh, les clivages d'origine. Je trouve qu'il y a un truc. Que, Quelqu'un qui a une bonne anecdote et qui sait la raconter, il peut prendre la parole n'importe où, je trouve. Et ça m'a toujours un peu fasciné. Non, soirée de ouf. Non. Soirée de... Volonté aussi de montrer quelque chose qui, paraît, qui peut paraître assez local, euh, assez délimité géographiquement. En fait, c'est beaucoup plus universel que, que ce que ça peut y paraître, parce que des histoires de permis, des histoires d'accouchement, des histoires de, euh, histoire de policiers, euh, des, des histoires de soirées, de séduction, bref, j'ai l'impression que c'est des choses quand même qui peuvent arriver à peu près partout. et du coup. Mais après, moi, c'est vrai qu'il y avait le... La volonté de pas de valoriser, pas de faire un diapositive d'une partie de mon enfance, mais euh, voilà particulièrement en banlieue, je trouve qu'il y a des, des anecdotes folles, qu'il y a une manière de les raconter, qui est qu un peu typique, qu'il y a un entraînement au storytelling et une culture de la vanne. si vous la sortez. Pour moi, c'est complètement une série de bandes, même si on ne retrouve jamais la même bande. Euh, mais ouais, il y a ce truc c'est pour ça que c'était important pour moi aussi dans la narration, dans la mise en scène, de faire exister les potes avant qu'on rentre dans la vraie anecdote. Parce que pour moi, il y a vraiment le double prisme de... Enfin, c'est important que le spectateur, il... il se voit en spectateur, mais qu'il puisse se ressentir aussi à la place des amis qui sont en train d'entendre l'histoire de leurs potes en... en ayant un petit peu délimité les personnalités, quoi. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment une... Parce qu'il y a des adéquations de personnalité, ouais, c est, c est, c est, c est, ouais pour moi c'est une série de potes et une série de bandes aussi. Je ouais. te cache pas que la veille du tournage où je me suis défoncé le genou en plus, euh, en faisant le seul foot de l'année que j'ai fait, euh, j'étais euh, moins confiant que par la suite, mais en gros ça s'est fait assez naturellement parce que j'avais eu des expériences de tournage, je viens du cinéma guérilla, donc en fait euh, moi j'avais une projection du réal aussi dans le cinéma indépendant, où le réal en fait c'est le seul technicien, et... Euh, et en fait, sur un tournage classique, on est quand même vachement épaulé, voilà, on a un chef-op, euh, on a des gens qui travaillent, qui sont là pour te mettre dans la situation euh, idéale, et à partir du moment où, où les humains qui sont autour de toi, ils sont compétents et bienveillants, et que les égos s'aménagent bien, euh, ça se fait assez bien, et tout ce qui est direction d'acteur, euh, narration, euh, ça, ça se fait assez naturellement, enfin je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, et et du coup tu as en fait as souvent des ou des réals à techniciens ou des réals à comédiens donc je suis je pense clairement réal à la comédien euh, mais j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à voilà apprivoiser la technique à prendre compte euh, voilà apprivoiser les cadres les effets des cadres des différents effets même après au montage enfin euh, j'ai beaucoup beaucoup appris du coup vu que je savais rien